Si y est-il une épreuve qui l'a ébranlé? En mai dernier, Benjamin Castaldi a contracté le coronavirus quelques semaines après avoir reçu sa première dose du vaccin. Souffrant, il avait dû s'absenter plusieurs jours de l'antenne et notamment de sa chaise de chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna en avait alors profité pour donner des nouvelles de son acolyte, Benjamin Castaldi, qui n'est pas là aujourd'hui car il est cas contact. Une de ses femmes a la Covid. Il est en train de faire des analyses pour savoir laquelle. On sait que vendredi il était avec Flavie, Flamand, samedi je crois que c'était Vanessa, Broussoulou. On sait pas. En tout cas, on embrasse Aurore, sa femme actuelle, et on espère que ce n'est pas elle. Avait plaisanté l'animateur. À son retour aux commandes de son émission Le 6 à 7 avec Casta, le fils de Jean-Pierre Castaldi a révélé que toute sa famille avait été plombée par le variant anglais du virus. Personne n'y a échappé, pas même son bébé né l'année dernière. Il est arrivé avec ma fille, probablement l'une des deux filles de son épouse, Aurore Allemand, note de la rédaction, il a pris ma femme, puis moi, puis il a pris le bébé. Je peux vous dire que ça met un coup derrière la tête, avait-il raconté. Benjamin Castaldi, j'ai vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le SAMU, toujours traumatisée par ce coup dur, si y est-il au détour d'un débat sur le déconfinement dans TPMP, ce mercredi 2 juin que Benjamin Castaldi a évoqué un douloureux souvenir qu'il garde de cette terrible expérience, moi j'ai vécu le Covid en plus il n'y a pas très longtemps de façon dramatique donc je peux vous dire que... A-t-il commencé avant d'ajouter, moi je l'ai eu mais moi j'ai vu surtout partir ma femme inconsciente et emmenée par le SAMU donc déjà que j'étais un peu énervé par le sujet là je peux dire qu'il faut vraiment faire attention a-t-il fait savoir en invitant les téléspectateurs à ne surtout pas baisser la garde. Quand on voit les terrasses, il est évident qu'il n'y a aucune distance. Il n'y a pas les masques et si est-il normal je comprends que les gens veuillent sortir mais je pense que si les gens sont pas vraiment mobilisés et qu'on fait pas vraiment attention, la quatrième vague elle peut arriver. On n'est pas sorti de l'auberge donc il faut faire gaffe. A-t-il ajouté ?